Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 42 coin du DVD. Épisode 42 donc qui passe directement à la lettre V, vu que vous l'avez compris la semaine dernière, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de lettre U. Lettre V, j'ai beaucoup plus de choses. Euh, J'aurais pu vous parler de la saga Very Bad Trip, mais pareil, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne. Euh, J'aurais pu vous voir vous parler de deux longs métrages euh, d'Ayao Miyazaki que j'aime énormément, qui sont Le Voyage de Shiro et Le Vent se lève de très grands films vraiment magistraux et qui sont absolument à voir, mais j'ai décidé de me centrer sur ce qui est pour moi très clairement un chef-d'œuvre mais que beaucoup de gens ignorent. Parce que on connaît beaucoup de ce réalisateur, un certain Spotlight. Et sinon on ignore le reste de sa filmographie. Et c'est triste parce que Tom McCarthy a une super filmographie et il raconte des choses extraordinaires au sein de son cinéma. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui est sans le moindre doute l'un de ses plus beaux. C'est un film qui est très émouvant, qui est très sincère, qui est simple également dans sa démarche, mais qui raconte tellement de choses au travers de son sujet qu'on ne peut pas rester insensible devant cette œuvre. Cette œuvre c'est The Visitor. Et The Visitor est un très beau morceau de cinéma, vraiment un très très beau. L'histoire pour faire simple, c'est celle de Walter Whale, qui est un professeur de musique, qui a un petit appartement à New York. Et en fait, lorsqu'il rentre à New York, après un voyage, il se rend compte que son appartement est squatté. Et en fait, il se rend compte que le gérant de l'appartement a loué l'appartement à deux personnes. C'est des choses qui arrivent, même si ça reste pas très normal. Et il va se retrouver à partager malgré lui l'appartement, parce qu'il n'a pas envie non plus de virer les gens qui sont dedans. Et il va apprendre à les connaître. Je vous garde vraiment beaucoup de mystère sur cette œuvre parce que c'est une œuvre très belle et c'est surtout une œuvre très émouvante dans sa composition. Et je pense qu'il ne faut pas en savoir beaucoup pour apprécier son métrage. La première fois que je l'ai vu, j'ai été sidéré par la maîtrise du sujet par Tom McCarthy. Parce que Tom McCarthy, mine de rien, c'est vrai que aujourd'hui il a cette réputation du mec qui a volé l'Oscar du meilleur film. Euh, aux participants de l'année où il l'a eu, eu pour Spotlight. Je crois que c'était contre The Roving D'ailleurs, si je me plante pas. Euh... Mais il l'avait mérité. Hein. Bon, ça, c'est un autre débat, mais il avait clairement mérité hein, l'Oscar du meilleur film pour Spotlight. Mais déjà sur The Visitor, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de générosité et de justesse dans le traitement de ces sujets. Là, ici, ça parle à la fois d'humanité, de manière très simple, en montrant le partage des cultures et ici, le partage de la musique. Au travers d'un professeur de musique et d'un jeune garçon qui va lui apprendre tout simplement à jouer du tap tam Et rien qu'au travers de ça, là déjà, Tom McCarthy, il arrive à nous transmettre beaucoup de choses. Et au-delà de ça, plus le film avance, plus le film cherche à traiter des thématiques qui vont vraiment de manière crescendo vers quelque chose de très américain et qui cherche vraiment à s'ancrer dans une politique américaine qui, par moment, a tendance à... à abuser de certains de ses points au niveau de la loi et du coup en profite pour. Euh abuser de certaines personnes et, et déchirer des familles et potentiellement détruire des amitiés. Et c'est ce qui se passe dans ce long métrage et on peut pas rester insensible devant une œuvre comme The Visitor. C'est très simple en termes de mise en scène. Tom McCarthy, c'est pas un cinéaste qui a tendance à utiliser la scénographie pour faire des extravagances. Au contraire, c'est un metteur en scène qui a tendance à, à vraiment poser ses sujets, à réfléchir sur la puissance qu'ils vont avoir sur le spectateur, à l'intensité que ça va générer en termes d'émotion, en termes de sensibilité, en termes de traitement d'image, etc. Et c'est ça en fait qui marque devant ce visiteur, c'est que à aucun moment on a la sensation d'être brusqué par la mise en scène, ou que la mise en scène nous incite plus que ça à ressentir une émotion plus qu'une autre. L'idée c'est... Juste se laisser porter par le sujet et de voir ce qui va nous toucher, ce qui va nous émouvoir, ce qui va simplement nous transcender, ce qui va peut-être nous laisser de marbre, mais en face, ce qui va nous marquer, qui va nous dire ouais, c'est une vraie injustice et, et c'est triste qu'on en arrive là. Et c'est ça en fait qui marque au fur et à mesure que le long métrage avance. C'est cette sensibilité, cette, cette justesse d'esprit, cette poésie finalement très naturaliste qui se dégage de la mise en scène du cinéaste et, et c'est ça qui marque au bout du compte. Ça est la performance extraordinaire de Richard Jenkins. Richard Jenkins étant un acteur que j'apprécie énormément et je suis faible quand je dis ça. Je trouve que c'est un acteur qui est bourré de différents arcs d'interprétation de personnages, capable de jouer du dramatique à 100%, d'être très comique, euh, de savoir aller dans le cinéma un petit peu de genre par instant. C'est un, en... un acteur qui, qui, entre les mains d'un bon metteur en scène, est capable de jouer tellement de belles choses. Et Tom McCarthy, il en a fait ici un, un, un acteur exceptionnel qui est capable de, de jouer avec une sensibilité folle, un personnage très fermé qui va finalement s'ouvrir, qui va comprendre que en s'ouvrant, on va découvrir des choses intéressantes et que surtout on va étendre notre réflexion par rapport à ce que le monde a à nous offrir. Et en fait, c'est ça qui transporte vraiment dans son métrage, c'est que ce n'est pas simplement une œuvre qui qui veut nous raconter une histoire autour de l'immigration et de à quel point les États-Unis ont du mal avec ça et surtout ne savent pas regarder réellement au cas par cas et se concentrent juste sur l'immigration point barre avec un grand i. Et c'est ça en fait qui transporte dans cette œuvre, c'est qu'il va plus loin, Tom McCarthy. Et il se sert de tout ce qu'il peut pour appuyer ça et surtout de beaucoup d'émotions. C'est très bien appuyé au travers des bonus, si jamais vous avez l'occasion de les découvrir, parce que les bonus, il y en a pas mal. Euh, il y a simplement autour de, du djembe et de à quel point ce, cet instrument rassemble les gens. Il y a des documentaires autour de l'immigration. Il y a un petit making-of où on voit à quel point le long métrage s'est conçu dans une ambiance très joyeuse, qui est quasiment à l'opposé finalement du ton du film. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sujets très intéressants évoqués au travers des, des bonus. Et, et c'est ça en fait, moi, qui, qui je trouve complète beaucoup. Le propos du long métrage. C'est que là où le long métrage est très parent de lui-même, le fait que le DVD soit bourré de bonus pour ce genre de film, c'est assez surprenant. Ça renforce justement cette immersion et, et cette envie de comprendre à quel point Tom McCarthy a voulu maîtriser son sujet de bout en bout. Mais donc voilà, je pense que vous l'aurez compris The Visitor est un film que je vous conseille plus que jamais de regarder et de réhabiliter parce qu'il est tombé dans l'oubli complet après la sortie de Spotlight. Genre, Spotlight a éclipsé toute la filmo de Tom McCarthy. Faut pas garder ça en tête parce que si vous regardez précisément la film de Tom McCarthy, vous risquez de redécouvrir des acteurs que vous connaissez très bien. Notamment au travers d'une certaine série avec des dragons dedans. Et oui, c'est lui qui a révélé quelques acteurs de cette série. Mais bref, pour ce qui est de The Visitor, Tom McCarthy, c'est un très très bon film à voir que je vous conseille très fortement. Même rien que pour la prestation de Richard Jenkins, ça vaut largement le coup d'œil. Ainsi s'achève donc cet épisode 42 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, si vous avez vu The Visitor ou si vous comptez le regarder, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et je conclurai comme je conclus à chaque fois à la fin de cette émission il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.